Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo concernant l'automne en médecine traditionnelle chinoise. Donc écoutez, normalement j'ai du matériel qui est censé fonctionner et aujourd'hui rien ne fonctionne. Bon, j'ai décidé de ne pas me laisser arrêter par la technologie et de vous faire cette petite vidéo pendant qu'il est encore et surtout, c'est même pas encore, pendant qu'il est le temps de le faire. Donc la saison automne en médecine traditionnelle chinoise, c'est une saison qui est véritablement très importante d'un point de vue énergétique. Parce que l'automne, c'est l'intermédiaire entre l'été, la saison la plus yang qui soit, et la saison de repos qui est l'hiver, donc la saison la plus yin. Donc on est véritablement avec l'automne sur une saison intermédiaire. Alors l'automne, c'est la saison du changement. On peut d'ailleurs observer ce changement dans la nature au travers des couleurs de la végétation qui se transforme par l'obscurité qui prend le pas sur la lumière avec des jours qui raccourcissent et des nuits qui sont de plus en plus longues. Et c'est vraiment la saison, si vous voulez, où tout se rétracte. Où vous avez le reflux de la sève, si on observe la nature hein, tout simplement, vous avez le reflux de la sève, vous avez le yin qui commence à croître, les feuilles des arbres qui commencent à se rétracter et à faner et qui tombent des arbres, toutes les graines qui se dispersent et qui vont pas tarder à se mettre totalement en hibernation pendant la saison hivernale. Donc, si vous voulez, le climat qui est lié à l'automne en médecine traditionnelle chinoise, c'est la sécheresse, qui est due à la contraction, à la rétraction, si vous voulez, sous l'effet du rafraîchissement extérieur. De ce fait, vous avez la chaleur du corps qui a été emmagasinée pendant tout l'été, qui va se diriger naturellement, enfin, elle était à la surface, la chaleur du corps, elle était à la surface pendant tout l'été. Et désormais, elle va pénétrer à l'intérieur du corps dans les couches les plus profondes afin de pouvoir tempérer les organes vitaux pendant l'hiver. Donc même, si cette chaleur, elle ne peut pas pénétrer, si vous voulez, à l'intérieur du corps pour des raisons énergétiques, quelles qu'elles soient, qui sont bien évidemment des raisons énergétiques que je qualifierais de défaillantes, il peut s'en suivre, si vous voulez, des problèmes au niveau des défenses immunitaires. Donc le métal, c'est la saison poumon, gros intestin, je vous rappelle, hein, c'est la saison véritablement de l'immunité en termes de médecine traditionnelle chinoise. Il faut savoir aussi que l'émotion qui est reliée à l'énergie du poumon en médecine chinoise, c'est la tristesse. Vous allez voir pourquoi c'est important dans la suite de ma petite vidéo. Donc pour continuer mes explications, hein, j'espère qu'elles seront relativement simples pour vous. Le poumon est le maître de l'énergie en médecine chinoise. Il gouverne la respiration. C'est le maître du qi, notre énergie vitale, qu'on appelle d'ailleurs aussi le souffle vital. Et le poumon en régule le débit. Donc si vous voulez une bonne respiration en général, est le signe d'un poumon qui est en bonne santé,
d'un diaphragme qui fait vraiment son boulot de descente et de montée. Et le flux de l'énergie dans les méridiens se fait alors tout à fait correctement. A contrario, si vous avez une stagnation de l'énergie du poumon, voire un vide aussi, ça peut arriver, ça va entraîner un vide d'énergie dans tout le corps et dans les organes. Me revoici. Alors, le stress et les nombreuses contrariétés qu'on peut rencontrer au fil du temps, et oui, la vie n'est pas qu'un long fleuve tranquille, je pense que tout le monde a observé ça. Donc, le stress et les nombreuses contrariétés peuvent également avoir une répercussion sur notre diaphragme, d'où l'importance d'une bonne respiration, entre autres. Le méridien qui est associé au méridien du poumon est le méridien du gros intestin. Et à eux deux, ils forment l'élément métal. Le gros intestin, lui, a pour fonction, si vous voulez, grosso modo, l'élimination des déchets dans l'organisme. Et je dirais que si son énergie n'est pas bonne, on peut voir apparaître des problèmes de paresse intestinale, par exemple, qui peuvent mener à terme à de la constipation. C'est aussi un élément qui réagit beaucoup au stress et à l'émotion. D'ailleurs, on dit souvent que soigner son côlon, c'est aussi soigner son esprit. Et pour la petite anecdote, vous avez l'anagramme du mot « trip » qui est « esprit ». Je vous laisse méditer sur la question. Alors maintenant, si l'énergie du poumon est faible, la personne peut se retrouver fatiguée, trop intériorisée, elle est triste, elle peut être mélancolique, désenchantée, voire même pessimiste, elle se juge plutôt sévèrement. Par contre, si vous avez une énergie du poumon qui est en excès, cela peut provoquer une oppression au niveau du diaphragme, une sensation d'enfermement et de séparation. C'est la période, hein. Enfin, c'est la période où il faut travailler ça. On peut avoir aussi la sensation d'être incompris, de ne pas trouver sa place dans la société, ou pas avoir sa place de manière générale. Maintenant, si le chi du poumon est bien équilibré, alors la personne, elle est plutôt une personne qui est réfléchie, qui juge et contrôle à bon escient son humeur, qui est stable et son tempérament plutôt énergique. Je pense que vous comprenez maintenant vraiment l'importance de maintenir un bon équilibre énergétique et de travailler véritablement sur cet élément métal en cette saison-ci et là maintenant il est temps de le faire. Alors si vous voulez, l'automne c'est vraiment un mouvement d'intériorisation, un moment où il est bon et il est bon de ralentir, il est vraiment bon de ralentir. L'été on était dans le mouvement, on était dans l'énergie, on avait la pêche, là maintenant oh là là stop, je dis on se calme, c'est vraiment un mouvement d'intériorisation et il faut qu'on respecte ce mouvement. Je dirais qu'aujourd'hui, on est plus à la marche contemplative. Si vous avez envie de sortir, c'est plus la marche active avec les bâtons, sac à dos. Là, marche contemplative, vous y allez tranquille, tranquille. Elle aura aussi le mérite, cette marche, de vous aérer et de vous permettre de respirer tout à fait correctement. C'est la saison aussi où il est l'heure de faire les bilans. Ben oui, vous n'y échapperez pas, il y a un bilan à faire, à tous les niveaux, même intérieur. L'automne est la saison qui pousse vraiment à l'intériorisation. Alors vous aurez compris que c'est vraiment le moment intéressant, opportun, cherchez le mot, pour faire un shiatsu par exemple ou venir faire un bilan en médecine traditionnelle chinoise. Je pense que vous trouverez tous un bon praticien près de chez vous et pour les personnes qui sont proches de moi, vous avez toutes mes coordonnées qui se trouveront affichées à la fin de cette vidéo.
Alors pourquoi on fait un soin et pourquoi c'est nécessaire en cette période d'automne? Tout d'abord, pour maintenir l'équilibre énergétique global de notre corps, il est important que cette transition se fasse correctement. Si vous avez un déséquilibre qui s'installe maintenant, on verra apparaître des problèmes de toutes sortes. Vous pourrez avoir des problèmes ORL, des problèmes cutanés, des problèmes de faiblesse, de défense immunitaire, parce que le poumon, c'est vraiment l'immunité. Sur un plan psycho-émotionnel, on pourrait avoir des difficultés à poser des limites, à prendre du recul, à lâcher prise, à choisir aussi, à savoir dire non. Tout ça, ce sont des problèmes qui sont liés à l'énergétique du poumon quand le déséquilibre s'installe. Vous pourriez aussi avoir, parce que n'oubliez pas qu'est lié le gros intestin au poumon, alors on pourrait avoir d'autres problèmes comme des problèmes intestinaux par exemple, des problèmes de cicatrisation difficiles, bon là je le relierais plutôt quand même à l'énergie du poumon. On pourrait avoir des difficultés... des problèmes de... Ouais, des difficultés à prendre du recul, je vous l'ai dit, non? À lâcher et à se détendre. N'oublions pas non plus une chose qui est super importante, c'est que le poumon, si vous voulez, il nourrit le rein. Le poumon, on dit que le poumon est la mère du rein en médecine traditionnelle chinoise, il le nourrit. Et le rein, c'est notre batterie énergétique, vraiment. Donc vous imaginez qu'il est super important de ne pas le laisser s'épuiser. Et c'est vraiment la saison où on va préparer justement notre immunité et préparer la saison hivernale. Donc c'est la bonne transition pendant l'automne, en début d'automne, de venir faire un soin en cabinet. Alors maintenant, il y a des petits conseils qui sont super intéressants pour la saison, notamment en termes par exemple d'alimentation, où vous pouvez commencer à manger des légumes de saison. Bon, je vous rappelle que les petits plats préparés, le surgelé, etc., c'est bien un dépannage peut-être, mais c'est vraiment pas la panacée. L'idée étant de se faire à manger frais et chaque jour. Déjà, vous aurez moins de sucre et moins de cochonneries dedans. Et puis, les aliments de saison, comme leur nom l'indique, sont de saison. Donc, les légumes de saison, notamment de couleur blanche et de saveur piquante, hein, pour l'élément métal. Donc tout ce qui est poireaux, choux, céleri, radis, les navets, les oignons, le piment, vous n'en mettez pas trop quand même, hein. Le gingembre, la cannelle, je ne vous conseille pas de mélanger tout ça, bon c'était pour rire. Et attention, il y a dans cette liste des aliments qu'on dit chauffants, et il faut absolument les éviter pour les personnes qui ont des problèmes, qui présentent de la chaleur. Et alors ça, il n'y a qu'un bon praticien médecine traditionnelle chinoise qui saura vous dire si vous présentez de la chaleur ou pas. Donc attention quand même. Ensuite, le deuxième conseil, qui pour moi, allez, le deuxième conseil. L'alimentation, c'est quand même primordial puisqu'on dit que l'aliment sera ton meilleur médicament. Donc ensuite, respirez. Et pour respirer, vous pouvez aller marcher dans la nature, prendre l'air. Je vous rappelle qu'on ne fait pas de course. Hein, on est en marche contemplative, on observe la nature, on se calme, on se détend, on lâche prise. Vous pouvez également faire du qigong. La qigong est absolument formidable pour tout un tas de choses. Vous pouvez faire du yoga, de la méditation. Enfin voilà, maintenant c'est la période où il faut prendre véritablement soin de vous. Alors j'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous pourra vous aider dans votre préparation à cette saison d'automne. Et je vous remercie sincèrement et du fond du cœur de m'avoir écouté. Et je vous souhaite le meilleur pour les mois à venir. Namasté.